D'accord, d'accord, j'ai pas fait attention. Voilà, où est-ce que je dois acheter maintenant, hein? Est-ce que vous pourriez nous montrer vos papiers? Mes papiers? Il est drôle, lui. J'ai jamais de papier sur moi, mon pote. Alors suivez-nous au poste. Ouais, vous allez quand même pas m'embarquer pour une canette vide? Bon, je viens à une condition. Vous avez du café? Commencez par nous accompagner pour le café, on verra plus tard. Très bien. Vous pouvez disposer? Alors, Ingo, qu'est-ce qui se passe? Le grand blond avec la veste blanche à motif de couleur m'a proposé 20 grammes de coke. À mon avis, il va en avoir plus dès que le train de Belgrade arrivera. Très bien. Alors, veste de couleur et motif blanc? Non, au contraire. Veste blanche, motif de couleur. Voilà. Un petit conseil. Faites quand même attention, c'est pas un débutant. Alors, ils t'ont lâché? J'ai joué les braves types. J'aurais dit, monsieur, dites rien à ma maman, elle va encore me frapper. Édouard, deux bières. T'as entendu, Édouard? See the sharkers, teeth like razors. All can read it. Édouard! Open face. And Makita. Qu'est-ce qu'il y a, Elvira? Non, ne me dis pas que tu te saoules aussi dans la journée maintenant. Si! Parce que j'en ai marre. La vie est trop dégueulasse. Il y a des hauts et des bas pour tout le monde. C'est pareil pour tous. Ça va s'arranger. Alors. Où est-ce qu'il est, Edouard? Il est là-haut, il est monté. Avec un client, ils ont eu une nouvelle attraction. C'est encore une gosse. Ils sont complètement cinglés, les gens. C'est encore une enfant. Et c'est pour ça que tu te soules. Commissariat du district 31, j'écoute. Une mineure de 16 ans. C'est chose courante de nos jours. À quelle adresse? Ça y est, c'est fait. Ça, j'ai un petit creux. Où est-ce que tu veux aller? Chez moi? Allons chez toi. Je me ferais bien des spaghettis, moi. Désolé, j'ai que du congelé. Du goulash. Bah, voyons. Mais une nappe pour éviter les rayures. Mais une nappe. Si on dînait aux chandelles. Bonne idée. On a l'air de deux vieux croutons, tous les deux. On dirait un petit couple. Tu veux ouvrir? Marion. C'est Marion. Goulash. Un petit baiser sale. Oui, le seul endroit qui ne pique pas sur la bouche. Tu restes manger? Oui. Une assiette pour Marion. Une assiette pour Marion. Aïe. Non, pas de tout. Vous avez fini de bonne heure? Oui. Et tu es content pour ce soir? Je parle du concert. De... Tu m'avais promis de m'accompagner. J'ai dit ça? Il l'a dit, tu l'as entendu. En tant que fonctionnaire et homme n'ayant jamais pu supporter le mensonge, je dois reconnaître qu'elle a raison. C'est à quelle heure? À 8 heures, je crois. 8 heures, je ne sais plus. 8 heures? On a quelque chose?
Ben, j'avais l'intention d'aller au cercle dont je t'ai parlé. Ça a l'air intéressant. Je dois y aller aussi. Oh. Écoute, tu es une vraie fan de musique classique. Tu me l'avais promis, chérie. Je peux pas le laisser seul. Oh, j'y suis déjà allé tout seul. Te fais aucun souci pour moi. Qu'est-ce qu'on joue là-bas? Du Bruckner. Ah, c'est joli. T'as déjà entendu du Bruckner? Non. Ah, il peut pas y aller dans cet état. Et non. Je connais Bruckner, ça lui sera égal. Où es-tu? Dans la chambre. Je prépare tes affaires. J'ai le droit. Tu as tous les droits. Dommage que nous n'ayons pas le temps. Tout de suite après Bruckner, on rentre à la maison. Tout va bien, monsieur Sunderman? Merci, ça ira. Sers-moi une bière. Une bière pour monsieur Bollmann. Ça marche. Tu sais faire en dehors de ça? Qu'est-ce que t'entends par là? C'est très bien ce que je veux dire. Tu vis comment? Un petit peu grâce au billard. Tu fais sûrement autre chose. Ouais. Dis donc, tu m'as l'air bien curieux, toi. Tu as un boulot? Je n'ai pas encore trouvé un qui me plaise vraiment. Tu n'es pas tout seul dans ce cas. Est-ce que tu sais conduire? Non, mais tu te fous de moi? Non. Non, au contraire. Je suis très sérieux. Je voulais parler de poids lourd, des 16 tonnes. À l'armée, j'étais pilote de char. Eh ben, ça tombe bien. Est-ce que tu as le temps? Bon, si je comprends bien, en fait, ce que tu veux, c'est que je te conduise un camion. Oui, et il me manque un gars et j'ai absolument besoin d'un chauffeur pour cette nuit. Il n'y en a pas pour longtemps, mais c'est intéressant. Ouais. Et intéressant, c'est quoi? À ton avis, je te file 500. Si tu restes discret, 1000. Faut y aller quand? Tout de suite. Ben, faut que je prévienne maman. Non, mais ça va pas. Et tu vas pas demander la permission à ta mère. T'es de retour dans 3 heures, puis t'as plus l'âge. Je crois que t'as pas bien compris. C'est une vieille dame, elle est malade. Ouais, s'inquiète. Bon, ben, ça va téléphoner, je viens avec toi, mais pas un mot de notre affaire. Ta bière. T'as qu'à la boire. Elle est peut-être chez la voisine. Ouais, je joue souvent ensemble aux cartes. Je peux te poser une question? Est-ce qu'il y a des risques? Ben non. Remarque, je m'en fous. Bon, j'aime bien savoir s'il y a des risques, c'est tout. Bien sûr. T'as pas à te faire de soucis. Y a pas le moindre risque. Ça va? Alors, on y va? On y va. Et détends-toi un peu. T'as pas une petite faim? Oui. J'avais tout prévu. Mais par pitié, pas de goulash réchauffé. Non, du fromage et du jambon de pays. Des vaches heureuses, des cochons joyeux. Tiens, j'appelle Peter. Il devait se manifester, cet imbécile. Il voulait me parler de Bruckner. Bruckner? Oui. Ah. Oh, c'est toi, Ingo. Peter n'est pas là. Et oui, je commence à m'inquiéter. Dès qu'il doit rentrer après minuit, il m'appelle. Mais il ne m'a pas téléphoné.
J'ai été très contente, moi aussi. C'est gentil. Bonne nuit. C'est anormal. Il a peut-être eu un imprévu. Espérons-le. Est-ce qu'il doit toujours te rendre des comptes? Il n'est tout de même pas marié. Non. C'est une précaution. On a pris l'habitude de toujours se tenir au courant. Il n'est pas rentré à la maison. Je suis sûre qu'il lui est arrivé quelque chose. Non, non, faut pas dire ça. Il a peut-être besoin d'heures supplémentaires. Qu'est-ce que je deviendrais sans toi? Très inquiet, mon collègue Peter Roth a disparu. Quoi? Comment? Qu'est-ce que tu veux dire par disparu? Hier soir, je suis allé à un concert et lui est allé boire un coup dans un troquet. Espèce de tripot, et sa mère m'a dit qu'il n'est pas très bien, il a passé la nuit dehors, et alors, tu vas pas te faire de soucis. On se laisse jamais sans nouvelles plus de 7 heures tous les deux. Ah oui, oui, je vois ce que c'est. Tu veux qu'on le recherche? Je suis en train d'organiser ça. C'est très bien, vas-y, fonce. Je veux savoir ce que ça va donner, d'accord? Ciao. Toujours pas rentré. J'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. C'est déjà le deuxième jour et personne n'a de nouvelles de lui. Et qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça peut vouloir dire qu'il a été tué. Ingo, ne raconte pas de bêtises, veux-tu? Qu'il ne t'ait pas contacté depuis 2 jours ne signifie pas forcément qu'il ait été assassiné. Si tu en sais, tu ne connais rien au monde que nous fréquentons, nous. Mais c'est pas la peine de me regarder avec ces yeux-là. Tu commences à dérailler, Ingo. Ça y est, ils ont commencé les recherches. Au bar où il a dû aller. Mais c'est là-bas que tu devrais être, pas ici. S'ils l'ont tué, je les retrouverai. Il a de la suite dans les idées. Cet homme était ici il y a 3 jours. Il a dû y passer la nuit. Est-ce que vous vous souvenez de lui? Savez-vous combien de gens entrent et sortent d'ici tous les soirs? Je regrette, je peux pas vous aider. Je connais pas ce gars. Vous savez, on voit tellement de monde ici. Où mène cet escalier? Aux chambres, nous faisons hôtel. Plutôt pension, pour être exact. Allô? Il est mort? Où ça? Secret.
maison ce matin. Ton ami Peter a été tué. Mais comment? Ils lui ont planté un couteau dans le dos jusqu'au cœur. Nous l'avons découvert ici. Mais il a été tué ailleurs. C'est sûrement pour brouiller les pistes qu'ils l'ont transporté jusqu'ici. Non, nous avons des indices. Nous avons trouvé des traces de pneus, de nombreuses empreintes qui, une fois analysées, nous aideront peut-être à avancer. Des traces de pneus? Derrick, si vous voulez le meurtrier, c'est dans ce coupe-gorge qu'il faut aller fouiller. C'est un vrai nid à rats, ce truc, un ramassis de truands qui pourrait folie écraser. Ils t'ont rien fait, mes dossiers. Je suis désolé. Tu penses bien qu'on cherche de ce côté-là? Tous ceux qui y travaillent sont interrogés. Qu'est-ce que ça va donner? Ils vont rien dire. Et vous ne pouvez pas les obliger à parler, allons. Je vais y aller, moi. Je crois que je m'en sortirai mieux. Je connais leur façon de penser. C'est une chance que tu sois avec nous. Harry et moi, nous ne vivons pas dans le même monde. Ceci étant, écoute-moi bien, Ingo. Tu n'entreprends rien suivant ta méthode. Si tu as des informations intéressantes, tu nous en fais part. Et si jamais tu découvres l'assassin... Oui, je ne le tue pas, je sais. Exactement. Sache que tu n'es pas tout seul. Ingo. Et, il avait ça sur lui. Oui, c'était son Walkman. J'aime pas ça du tout. Tu n'es pas le seul. Ne se séparait jamais de ce machin. On aurait cru que ça faisait partie de lui. Il écoutait toujours. C'est pour ça que tout le monde vient ici. Seulement pour ça. Le reste ne m'intéresse pas, sachez-le. Qu'est-ce que ce sera? Un whisky, s'il vous plaît. Sec ou avec des glaçons? Plein de glaçons. Je l'ai su rien qu'en vous regardant. Une tranche d'alcoolo. On est de mauvaise humeur? Eh bien, ça nous fait au moins un point commun. Pourquoi vous êtes de mauvaise humeur? Vous n'allez pas pleurer. Ça va gâcher votre soirée. Très agréable de boire avec une jolie femme. Vous vendez les cigarettes? Et un distributeur. Vous cherchez quoi? Des cigarettes. Vous jouez aux cartes? Oui. Justement, nous cherchons un joueur pour ce soir. Et à quoi jouez-vous ici? À tout. De la belote au gin rummy. En passant par le poker. Ça me tente, mais j'ai mon whisky qui m'attend.
Alors ? Alors quoi ? Vous avez fait le tour ? Je pense que c'est ici qu'on est le mieux. Je reviens. Mon cher ami, vous n'êtes pas seulement un bon joueur, car même un crétin peut être un bon joueur, mais vous avez en plus une tête plus que bien remplie. Mais avec quoi, je me le demande. Vous avez une profession? Non, aucune. Et vous? Ah. De temps en temps, en cas de besoin, et surtout lorsque c'est intéressant. Comme les cartes, par exemple. Où l'on peut aussi bien perdre que gagner. C'est ce qu'il y a de bien. L'excitation. De gagner. Ou de perdre. La joie, la peur, et tout cela dans un bel échange. Je saurai très vite si vous êtes un gagnant ou un perdant. Êtes-vous sûr? Où habites-tu? Dans la maison. La deuxième porte à droite en haut de l'escalier. Ici. Tu serais pas mieux à l'intérieur? Sûrement, oui. Mais alors, t'as pas envie d'entrer? Je crois que je fais peut-être une bêtise. Mais ça m'est égal. La salle de bain est là-bas. Bonjour. Stéphane. Je peux savoir pourquoi tu ne me donnes pas signe de vie? J'ai essayé de te joindre à plusieurs reprises cette nuit. J'ai passé la nuit dans la boîte. Ah. Raconte-moi ça. Oui. Tu veux un café? C'est-à-dire, j'ai bu plus de whisky qu'il n'est raisonnable, mais j'ai passé une très bonne nuit avec une jolie femme. Le café est chaud. J'en prendrai bien une tasse. Je te l'apporte. Et voilà. Merci. Tu as donc passé la nuit avec une femme. Et ensuite? J'ai du bol, c'est la barmette de la boîte. Elle a une chambre dans la maison. Comme ça, j'aurai la chance de mieux connaître la boutique en faisant aider par cette fille. Ah oui. Tu l'as mise au courant? J'ai pas l'intention de le lui dire. Sunderman. Arnaud Sunderman. Ça te dit quelque chose? Non. C'est un gars que j'ai rencontré là-bas, autour d'une table de poker. Écoute, je te refile des noms et toi, tu me dis qui c'est. D'accord? D'accord. Ça n'a pas l'air de te plaire. C'est toi. C'est toi qui ne me plais pas. Pourquoi? Parce que j'ai peur que tu ne fasses des bêtises et que tu ne mettes trop de zèle à trouver le meurtrier. Tu sais, Peter était un bon joueur de billard.
Et là-bas, il y a un billard américain. Pourquoi tu me regardes comme ça? Ne me demande surtout pas d'avoir un comportement normal. Si. Si. Ce joueur de poker, ce... Sonderman. Il est là-bas tous les soirs? Ça, j'en sais rien, je pense que oui. Bien. Il aura une convocation. Tout le personnel, y compris la barmaid, a reçu une convocation. Pourquoi? Parce que nous recherchons un meurtrier suivant notre méthode. Nous venons juste d'ouvrir, monsieur. Si vous étiez fermé, je ne serais pas là. Oui. Bien sûr. Malikova est là? Dans sa chambre. J'ai le droit d'y aller? J'ai pas le droit de vous l'interdire. Je me suis lavé les cheveux, tu vois. Je vois. Il faudra que tu patientes quelques instants. Tu me plais beaucoup comme ça. J'ai peur. Et de quoi? De tomber amoureuse. Ça rate à chaque fois. J'ai reçu une convocation de la police. Le proprio et tous les serveurs aussi. À quel sujet? Un type qui a disparu et qui serait venu chez nous, à ce qui paraît. Disparu? Oui, avant qu'on le retrouve dans une carrière en dehors de la ville. Qu'est-ce que tu veux avoir là-dedans? Ils veulent savoir si je l'ai vu. Et est-ce que c'est le cas? Bien sûr. Mais je veux pas être mêlée à cette histoire. Tu penses bien que je vais leur dire que je l'ai jamais vu. C'était quel genre de type? Très gentil. Et très ouvert aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais si, tu sais, il y a des gens qui sont faux, qui se cachent derrière une façade. Et ben, c'était pas son cas, et c'est pas le tien non plus. Qu'est-ce qu'il venait faire ici? Jouer au billard. Il n'est venu que 2 ou 3 fois. Tu peux le dire à la police? Mais t'es pas fou. Pourquoi? Mais j'ai pas envie qu'on me retrouve dans une carrière. Tu as oublié quelque chose. Merci. Tu fais une partie? Non, je ne suis pas joué. Qu'est-ce que tu fais ici, alors? Ici, qui joue au billard? Je voudrais bien que quelqu'un m'apprenne. C'est pas les joueurs de billard qui nous manquent. Ah oui? J'aimerais bien apprendre à manier que billard. Arnaud Zunderman, 54 ans. Son casier judiciaire est bien rempli. Bien, quel délit? Escroquerie. Non, il y a également le commentaire d'un des juges d'instruction. Il écrit ceci: c'est un homme sans le moindre scrupule ni la moindre conscience. Pour qu'un juge ait cru bon de noter ça, c'est que ce monsieur doit être exceptionnel. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il a une société de transport international. Oui, je sais ce que tu vas dire. Il y a 3 ans, nous avons déjà trouvé un meurtre dans cette carrière. Qui avait reçu un coup de couteau dans le dos. Coïncidence. Si je me souviens bien, il y avait également des empreintes de camion. Cette affaire n'a jamais été résolue. Serait-il possible de parler à M. Zunderman? Qui dois-je annoncer, monsieur? Je m'appelle Derrick. Puis-je savoir de quoi il s'agit, M. Derrick? Non, dites-lui que nous sommes là pour un entretien personnel. Je vais le prévenir. On veut avoir un entretien personnel avec moi? Et c'est exact. Vous aiguisez ma curiosité. Je vous en prie, entrez. Merci.
Puis-je savoir qui vous êtes? Brigade criminelle. Ah, j'ai reçu une convocation de vos services. Est-ce pour la même affaire? Oui. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Venons-en au fait. La disparition d'un homme qui a été vu pour la dernière fois dans l'établissement nocturne que je fréquente. Une précision, vu vivant. Hein? On m'a montré la photo de cet homme l'autre jour en me demandant si je me souvenais de lui. Question à laquelle j'ai répondu non. Vous allez me poser à nouveau cette question? Non. J'aimerais que vous me parliez de ce local en tant que tel. Hein? Que voulez-vous savoir? Quel genre d'établissement est-ce? Un bistrot malfamé. Si vous préférez, un trou à rats. Plein de rats. Un ramassis de marginaux qui se sont créés leur propre monde. Je ne pense pas qu'il vous plairait. Seulement moi, je les trouve plus intéressants que les gens dits normaux. C'est peut-être parce que vous avez une image quelque peu, disons, déformée de ce qu'est le monde. Déformée, tout à fait exact. Et pourtant, elle se tient. Et vous vous y sentez bien? En général, je n'ai pas à me plaindre. Une autre raison pour laquelle je fréquente ces lieux est que j'y trouve les meilleurs joueurs de poker. C'est mon vice, les petites cartes. Êtes-vous également un joueur de billard? Non. Vous avez d'autres questions? Non, ce sera tout, je vous remercie. Ah si, autre chose là, la convocation. Que dois-je en faire? Dans la poubelle. Mais avec grand plaisir. J'en rajoute 100. Je suis 2-4. À vous de parler. Siri. J'en prendrai une. C'est à vous. Sans moi. Je me demande ce que je vais faire avec ça. Je relance de 100. Je vous ai déjà dit pas d'argent. Je risque ma licence. D'accord, mais laisse-nous terminer la partie. Est-ce que vous me suivez? L'important est de ne jamais perdre confiance, et ce n'est pas toujours évident. Suis-je allé trop? Je ne connais pas vos possibilités financières. À vos 100, j'ajoute 200. Oh là là, vous êtes sûr de vous? Je le couche. Merci de votre confiance. C'est que je m'inquiète. Pourquoi? Parce que tu commences à me manquer. J'aimerais bien que ce soit réciproque. Tu m'as manqué, toi aussi. Toi et ton whisky. C'est moi ou le whisky? Je te dirai ça cette nuit. Tu trouvais quelqu'un pour jouer au billard. Ça lui est égal que tu sois débutant. Super, quand? T'attends. Où ça? Tout près du billard. Eh. Logique. Hey, excellent. C'est pas mal du tout. Tu permets? Tu ne fais qu'une erreur. Ce n'est ni un manche à balai, ni un fleuret. La queue est une source de quiétude. Elle exprime tout ce que tu veux. Elle ne doit jamais entrer en jeu par expression personnelle.
Très bien. C'est gentil d'avoir accepté de m'apprendre à jouer. Je m'appelle Ingo. Et toi? C'est sans intérêt. Appelle-moi Franz. Franz? T'es un pro du billard? Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu fais comme métier? Parle-moi un peu de ta profession. Tu partageras nos points de vue. Ouf, sans intérêt. Tiens, service spécial. J'y ai droit, moi aussi. Oh, arrête, tu veux. Joli petit lot, tu trouves pas? Bon, la leçon. Juste une petite question. Tu as ton permis de conduire? Harry? Oui? Ah, j'avais peur que vous soyez déjà parti. Ça vient d'arriver de Francfort. C'est parce que vous attendiez, je crois. Oui, merci. Je vous laisse. Oui, bonne nuit, Willy. Bonne nuit. C'est ce que Zundermann doit transporter cette nuit. Des déchets spéciaux. Deux camions passant par le col du Brenner à destination de Gênes. Le bon de transport porte le cachet d'une société italienne. Ça paraît être en ordre, ce gars-là transportant des déchets. Ça ne colle pas avec le type. Amène-toi, on va voir ça de plus près. On intervient. Avant, on va essayer d'en savoir un peu plus, si tu veux bien. Ouais. Ce soir, on fonce. J'ai envie d'avoir fini dans 3 heures. On peut toujours contrôler le chargement. On peut toujours, mais ça va le rendre soupçonneux. Jusqu'à Gênes en passant par le col du Brenner. En Autriche, les camions n'ont pas le droit de rouler la nuit. Ça m'étonnerait qu'ils aillent jusqu'à Gênes. C'est toi? Tu veux un petit déjeuner? À 11h du matin. L'heure n'a qu'une importance toute relative. Une importance toute relative pour toi. Tu viens juste de rentrer, n'est-ce pas? Oui. Je peux savoir où tu as dormi cette nuit? Oui, je vais te le dire. Ça risque de te déplaire. Tu as passé la nuit chez une... Oui. J'ai déjà parlé de cet établissement où Peter a été vu pour la dernière fois, je crois. Eh bien, il y a une femme là-bas qui travaille comme barmaid. Elle loge sur place une chambre au premier. Je lui ai fait du rentre-dedans, comme on dit. J'ai fait ça pour avoir une entrée sur place, pour apprendre... Enfin, j'ai l'impression que je suis tombé sur le bon endroit. Et tu avais besoin de coucher avec elle? J'ai fait ça pour la mettre en confiance et elle m'aide, voilà. Ce n'est pas du tout ce que tu crois. Je veux le meurtrier de Peter. Et tous les moyens seront bons, tu m'entends? Maintenant, assieds-toi et viens boire un café.
tu as. Tu me fais peur, Ingo. Et tu as peur de quoi? Tu ne comprends jamais rien. Je ne fais pas ça par sentiment avec cette femme. Il n'y a aucune... Il n'y a aucune comparaison. Pour elle, coucher avec un homme, ça ne signifie rien. Moi, je parie même qu'elle doit en vivre de temps à autre. Mais grâce à elle, je me mélange à ce milieu. Et si ça se trouve, j'ai peut-être déjà croisé l'assassin de Peter. Marion ? Madame Malikova. Alina Malikova, je suis ravi de vous voir ici. Venez, donnez-moi votre manteau. Vili, prends le manteau de madame et mets-le sur un cintre. Voilà. Je vous en prie, asseyez-vous. Quel âge avez-vous? 30 ans. Vous êtes mariée? Oui. Votre mari? J'ignore où il est, je l'ai perdu en cours de route. Je ne le cherche pas non plus. Vous travaillez comme employée de bar? Oui. Depuis combien de temps? Je veux dire, dans l'établissement actuel. Ça fait 2 ans. Et vous vous y plaisez? Et qu'est-ce que ça peut vous faire? Quoi, vous y travaillez à contre-cœur? Oh, à contre-cœur. J'ai jamais été bien nulle part. Est-ce que vous reconnaissez cet homme? Son corps a été trouvé dans une carrière portant les traces d'un coup de couteau. Vous l'avez peut-être vu dans votre établissement, peut-être l'avez-vous servi. Non, pourtant je suis certain que vous l'avez servi. Non, je ne le connais pas. Le contraire m'aurait étonné, vous n'avez même pas regardé la photo. On m'a montré cette photo pendant un quart d'heure déjà. Je vous montre peut-être celle de quelqu'un d'autre. Non, c'est bien lui. De qui parlez-vous? De celui dont on m'a montré la photo l'autre jour. Pourquoi faites-vous ça? Pourquoi vous m'embrouillez? Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux seulement savoir si vous reconnaissez ce monsieur. Libre à vous de ne rien dire. Regardez-moi dans les yeux. Venez avec moi. Allez, Vili, donne-lui son manteau. Et où allons-nous? Mais nulle part, nous restons ici. Voyez-vous, je ne voudrais pas que vous ayez l'impression que je vous fais subir un interrogatoire. Nous discutons comme ça, là, entre nous, tous les deux. C'est plus sympa, non? Cet homme, vous le connaissez? Je sais que vous ne dites pas la vérité. Vous devez sans doute avoir vos raisons, de très bonnes raisons que je peux comprendre. Seulement, un jour, il se peut que toutes ces raisons ne soient plus aussi bonnes. Et ce jour-là, vous aurez envie de me téléphoner. Je vous garantis que ça restera entre nous. Je vous le jure. Personne ne vous retient. Salut les gars! Pas de service? Tu viens boire un coup? Oh, je suis désolé, mais je suis attendu. Ah, c'est encore une jolie blonde. Gagné. Alors, ça a été? Ils t'ont passé à tabac? Est-ce que tu es, t'as pas l'air dans ton assiette? Je t'ai pourtant dit que j'avais jamais eu affaire aux flics auparavant. C'est pas une raison pour se mettre dans un état pareil. Ah, qu'est-ce que tu veux, je suis comme ça. On va boire un verre. Oui.
Vili. Ils ont commencé le chargement, des tonneaux. Ils les chargent dans des camions de Zundermann. Alina ? Qu'est-ce que tu as ? Rien. Je suis fatiguée, c'est rien. Et moi, je commence à bien me débrouiller au billard grâce à ce Bollmann. Mm-hmm. Est-ce que tu pourrais te renseigner sur ce mec? Qu'est-ce que tu veux savoir? Où il habite? Et si Bollmann sait bien son nom, d'où il vient? Ben, tu peux pas lui demander. J'ai essayé l'horreur des questions. Et pourquoi tu veux savoir ça? J'aime bien savoir à qui j'ai affaire, c'est simple. Oui, on est tous dans ce cas-là. Je crois que c'est un gars intéressant. Dis-lui de se présenter demain. Très bien. Arnaud. Oui, chérie, qu'y a-t-il? Il y a un policier dans la maison. Où est-il? Dans la salle de billard. Ça y est, le moment est venu. Cavalerie. Vili, passe-moi les jumelles. C'est Ingo qui est en bas. Tu sais que nous sommes ici? Allez, super pro, viens avec moi. Voilà ton joli bail. Vas-y, c'est le tien. Tu verras, c'est un boulot peinard. Ça prendra quelques heures et tu te feras de l'oseille. On va où et qu'est-ce qu'on transporte? Tu commences à commettre ta première erreur. Quelle erreur! Non, il faut que je sache où on va, c'est tout. Non. Bon, je vais te le dire. Allez, monte. Allez. Ce que nous transportons, c'est du poison. Allez, t'as peur. Vas-y, serre-toi. Merci. Officiellement, on va jusqu'à Gênes. Seulement, on va pas jusqu'en Italie. À une heure d'ici, il y a une exploitation agricole isolée dans laquelle il reste encore un peu de place pour quelques containers. Le paysan, avec son tracteur, les planque pour nous, un point c'est tout. Ce paysan a une foi énorme en Dieu. Il dit,
Qu'un de ces jours, nous serons tous punis par le Seigneur. Mais qu'en attendant, il faut faire du mieux que nous pouvons. Allez, mets en route, Bill. À première vue, il semble avoir trouvé le chemin utilisé par Peter Rhodes. Alors il va finir comme lui. Il faut qu'on intervienne. C'est trop tôt, nous devons encore attendre. Vous savez où nous sommes ici? Non, je sais ce que vous y faites. Oui, c'est une affaire très intéressante et pas fatigante. Vous avez fait votre part de boulot. Si on rentrait. Allez-y, Tony, vous pouvez décharger. Vous ne nous avez toujours pas dit qui vous étiez. Alors, qui êtes-vous? J'attends. Comprenez que si je vous pose cette question, c'est parce que vous êtes un peu au courant de nos affaires maintenant. Nous devons être sur nos gardes, ne courir aucun risque. Eh oui, je comprends. C'est facile à comprendre. Oui. Voyez-vous, cher monsieur, il y a quelques jours... combien, au juste? 8 jours. Oui, 8 jours. Nous avons engagé un homme, comme vous, qui, comme vous, était chargé de conduire un camion. C'était aussi un joueur de billard. Là est la différence entre vous et lui. Il savait jouer, mais lui, c'était... un policier. C'est le pire qui puisse nous arriver. Nous avons dû nous en débarrasser. J'espère que cette petite histoire vous aura intéressé. Et ce charmant monsieur a fait ce que je lui ai demandé. Comment ? Mettez-vous là. Main en l'air, on ne bouge plus. Sonderman, on ne bouge plus. Alors, c'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. They don't realize.
Non, je ne suis pas contre ta méthode en soi, mais admets qu'elle comporte des risques. Oui, j'écoute. Chercher la justice, trouver la justice et même en parler, c'est le genre de chose qui ne peut se faire que s'il n'y a pas de fanatisme. Stéphane. Oui. Alina Malikova vient de se suicider. Living my way, a brand